Hey, salut tout le monde, c'est Legofun. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire la whip numéro 1 de mon bloc Lego Maison numéro 10. Voilà, donc juste ici. Alors, il sera sur une plaque 32x32 verte en l'occurrence, mais ça a peu d'importance vu qu'on ne verra pas la plaque. Enfin, sur la version finale, là, on la voit un petit peu. Alors, si je fais cette vidéo, bah, c'est tout simplement voilà pour. Pour faire une vidéo, voilà, pour que vous ayez un peu de contenu, pour que vous puissiez voir mes avancées, que je fais rien pendant ce temps. Donc, enfin, que je ne fais pas rien, justement. Donc, il y aura un étage, et donc, un rez-de-chaussée. Alors, pour faire cette maison, j'ai décidé donc de la faire plutôt moderne. Voilà, j'aime bien le moderne. Donc ça m'a donné envie de faire une maison moderne, voilà, tout simplement. Voilà, donc beaucoup plus moderne. Déjà que je crois que de base, je faisais pas non plus des maisons... voilà, ça se rapprochait un petit peu plus du moderne. Mais là, vraiment, vous voyez, c'est blanc, gris, avec beaucoup de vitres. Donc voilà, ça ressemble beaucoup du moderne. Donc je vous montre pas tout. Hein. Je vais laisser toi, d'ailleurs, je vais même pas... Allez, si je vous montre la pièce, on va dire... principal, enfin le salon, le séjour. Voilà, tac, rapidement, j'ai pas trop envie de montrer. Donc là, peut-être que j'essaierai de faire une étagère qui. Ouais, qui donnerait déjà. Peut-être qu'il serait plus dans les couleurs tan, peut-être pas. Mais qui donnerait beaucoup plus de vie à la pièce, je trouve, parce que ça fait un peu vide, peut-être. Mais d'un autre côté, c'est un peu serré par rapport au canapé, donc je vais voir. Mais je pourrais peut-être faire un assez grand. Une sorte de petite bibliothèque assez sympa. Voilà, donc aussi si je mets un... enfin, j'essaie de faire une sorte de petite bibliothèque design, ça peut être pas mal. Donc la cuisine, je vous montre pas tout. Donc là, il y a la salle à manger, vous voyez, une petite pièce. Donc là, je vais mettre un toit, il n'y aura pas d'étage. Donc à la base, je voulais faire un toit en vitre, mais je me suis rendu compte que c'est pas forcément le toit. Le toit tout seul ne vous rendait pas si mal, mais je sais pas, je trouve que ça ne faisait pas si terrible que ça, donc... Je vais préférer faire donc du dark grey pour le toit. Donc pareil, là, le toit sera dark grey. Comme j'ai peur de ne pas en avoir assez, et je pense que ça aurait été le cas, je fais l'étage en grey. Et donc le rez-de-chaussée, les murs sont blancs. Et là, l'étage va être gris, pardon. Enfin, en grey, comme ça. Donc... je sais pas, j'ai un peu réfléchi dans ma tête, ça fait pas spécialement moche, ça fait voilà une sorte de bloc blanc et par-dessus un bloc gris, donc dans ma tête ça fait pas moche. Après je me trompe peut-être, mais moi ça m'inquiète pas trop en tout cas. Sinon autre petit souci, donc vous pouvez voir que cette partie là est surélevée, donc là j'ai mis des petits escaliers là aussi, donc je vous montre pas tout, hein, parce que tout à l'heure je vous montre alors que je vais te dire je vous montre pas tout, bref. Sauf que ici donc il y aura un mur gris, enfin à partir de là ça va être ça, un mur gris, et ici du dark grey, et donc là il y aura un petit truc blanc qui va se balader. Oups, lol. Après donc je mettrai une plaque grise, et après il y aura du gris qui va se balader comme ça, il y aura le blanc ici et là du gris, enfin ça fera vraiment moche. Donc pour le coup ça m'inquiète un petit peu, je sais pas trop comment faire, parce que d'un autre côté je pense que c'est ce qui va se passer. Mais si je mets ça en gris, je sais pas, ça peut être un peu nul quoi. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, hein. C'est la meilleure façon, mais voilà. Sinon, donc là, vous pouvez voir que j'ai mis des playlists. Donc parce que j'ai pas envie que le toit en dessous, il y ait plein de plaques. Donc je mettrai pas de plaques pour solidifier. Les seuls trucs qui vont solidifier, ce sera le sol. Voilà. Sinon, donc pour le plan du toit, j'ai des idées, mais j'ai pas encore vraiment prévu. À la base, vu que je comptais faire un toit là, je me suis dit que là, ce serait la salle de bain, là, la chambre, et là, une sorte de deuxième salon où j'allais voir. Mais résultat, du coup, j'ai plus que ça et ça. Donc, je pense qu'au bout, là, il y aura la salle de bain, mais c'est pas du tout sûr. Mais le problème, c'est que si je fais ça... La chambre, elle est là, avec coupée en deux ici, avec un escalier. Enfin, ça peut ne pas être nul, mais c'est pas forcément. Voilà, ça pourrait être bien aussi si là je mettais un petit. Enfin, je sais pas, si je trouvais un autre moyen
que là je mettais la chambre, la salle de bain et là un escalier qui menait à un petit salon. Je sais pas encore, ça se trouve ce sera même pas un petit salon, ça se trouve ce sera une deuxième chambre, enfin voilà, on verra. Donc j'espère ne pas vous avoir trop montré. La vidéo n'est pas trop longue, ça va, c'est pas mal, 5 minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, si c'est le cas, likez-la. Abonnez-vous si le contenu de ma chaîne vous plaît. Commentez bah, si vous avez des conseils à me donner. Voilà, particulier, ce genre de choses. Si vous avez d'autres idées que je n'ai pas eues. Et puis voilà, commentez, likez, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!